Chers amis, j'espère que vous allez très très bien. J'ai entendu vos messages. Vous désirez des blues super faciles à apprendre. Eh bien, je souhaite répondre à vos attentes en vous proposant aujourd'hui quelque chose de hyper basique. Et à chaque fois que je vous écris un petit blues, je le fais bien entendu avec plaisir. Mais aussi, je garde à l'esprit de vous offrir quelque chose que vous allez pouvoir vraiment jouer, pas juste un truc qui sonne bien pour moi. Je profite également de ce petit tuto pour vous annoncer que la section membre de la chaîne Roue Guitare, elle est ouverte officiellement. Je vous invite donc à regarder en bas de cette vidéo, en plus du bouton « Je m'abonne », il y a le bouton « Rejoindre ». Et bien, à partir de là, vous allez pouvoir accéder à la section membre et donc devenir un membre de la chaîne Roue Guitare et plus simplement, et bien, accéder aux tablatures. Je sais que c'est ça que vous cherchez et je vous les ai faites en format PDF et en format Guitar Pro compatible toutes versions. Donc, pour ceux qui avaient des petits soucis à ouvrir la page Tipeee, et bien, maintenant, vous n'avez plus besoin de Tipeee obligatoirement. Vous pourrez y accéder directement à partir de cette page. Allez, je vais vous expliquer comment ce petit blues fonctionne, c'est parti. Ce qui fait la particularité de ce petit blues que je vous propose aujourd'hui, c'est que vous allez pouvoir le jouer sans médiator, juste au pouce et avec les doigts. Donc je sais que certains d'entre vous ne sont pas super à l'aise avec le médiator. Bonne nouvelle, on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin non plus de l'onglet. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de motifs qui se jouent simplement sur deux cordes. Et on a ce qu'on appelle les double stops. Alors pour le blues, voilà, on le dit en anglais double stop, mais en fait c'est des diades, c'est pas compliqué, c'est juste en fait des doubles notes. Et ça, on les adore. Si vous aimez tout ce qui est bluesy, tout ce qui est dans le style un peu ZZ Top, c'est vraiment un élément que vous allez devoir apprendre. Et donc, vous allez alterner une petite rythmique en mi. Donc, c'est un blues 12 mesures en mi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Comme ça, très très simple. Alors, pour évidemment agrémenter le tout, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de vous proposer une petite basse jouée au pouce. Donc, ça donnerait ceci. Pour avoir comme ça ce petit groove derrière qui nous accompagne, mais vous n'êtes pas obligé de la rajouter. Doigt numéro 1 sur la case numéro 2 de la cinquième corde, la corde de La. 1, 2, 3, 4, 5, c'est celle-ci. Il va rester en position, vous avez besoin de le laisser pour pouvoir alterner de manière fluide la quatrième case et la deuxième case. Donc ça va être la même corde, mais la quatrième case avec le doigt numéro 3. Vous allez faire des attaques vers le bas avec le pouce sur deux cordes, sur les deux dernières cordes en fait, si celle-ci est la première. Les deux grosses cordes sont les dernières. Vous allez le faire avec un mouvement de swing, c'est-à-dire un temps qui va être un petit peu plus long que l'autre. 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Ça va couvrir une mesure. 1, 2, 3, 4, 1. Cette note-là, elle est plus longue pour vous laisser le temps de préparer vos doigts aux diades, les doubles notes. Ces notes, vous allez les prendre avec les doigts 1 et 2 de votre main côté chevalet, donc sur les cordes sol et si. Donc toujours avec ce mouvement de swing, une note plus longue qu'une autre. Ta, ta, ta. Là, vous en avez 3. Alors, il y a une petite logique qui est sympa, en fait, qui aide. C'est que sur la troisième case, vous allez jouer trois fois. 1, 2, 3. Deuxième case, deux attaques. 1, 2. Première case, une seule attaque. Facile à mémoriser. Bon, pour le mouvement en La, vous allez faire la même chose. Simplement, vous allez descendre d'une corde, descendre entre guillemets. Et vous revenez en mi. Alors vous n'êtes pas obligé d'étouffer avec la main droite. Bon, là, je le fais pour avoir un son un petit peu plus rond et plus doux. Et puis pour éviter d'avoir
des cordes qui résonnent accidentellement. Donc ça, il faut y faire attention. La fin de votre cycle, vous serez sur un si, donc ça va faire 2, 2, 1, 1, 2, 2, 4, 4. Pour poursuivre un arpège de si. Même chose, passage en la. Donc des notes simples qui sont jouées avec le pouce très tranquillement. Et puis la fin, donc le petit turnaround que j'ai simplifié au maximum. En mi, on revient donc sur les deux grosses cordes. 2, 2, 4, 4, 2, 2, 4, 4, 2, 0, 1, 2. Alors, la dernière mesure, vous avez 2. Et ensuite 0, la corde à vide de la. 1, première case. 2, deuxième case. Alors, vous pouvez utiliser deux doigts ou un seul doigt. Comme on est sur la même corde, j'aurais tendance à penser que cette corde est un petit peu un rail sur lequel votre doigt va être guidé et s'il appuie, il va de toute façon être au bon endroit. Donc 0, 1, 2, comme ça c'est vraiment la sécurité, vous ne pouvez pas la rater. Si vous voulez le jouer avec la basse au pouce, vous allez jouer la première mesure exactement de la même manière sur deux cordes. 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Mais cette fois-ci, vous allez rajouter la basse donc sur le temps numéro 2, 3 et 4 de la deuxième mesure. Donc à chaque fois, vous allez le faire, même sur le passage en la. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Maintenant, on va rajouter le rythme. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc mémorisez bien. Comme ceci, double note, pouce, 2, pouce et double note. 1-0, donc petite diade de mi majeur. Il n'y a rien, il n'y a pas de pouce. Donc vous retrouverez les tablatures en format PDF et Guitar Pro. Alors vous ouvrirez la description de cette vidéo, vous avez un lien vers ma page Tipeee, et puis en cliquant sur le bouton rejoindre, eh bien voilà, laissez-vous diriger et vous les trouverez également. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit tuto. Je vous rappelle qu'en ouvrant la description de cette vidéo, vous avez une playlist avec des blues super faciles. Donc il n'y a pas que celui-là qui est très facile, vous allez en trouver d'autres sur ma chaîne. Mais je vous invite chaleureusement à travailler votre instrument parce que j'ai d'autres blues qui sont un petit peu plus de haut vol, entre guillemets. Et eh bien, ça vaut le coup de s'entraîner à la guitare pour arriver à les jouer un jour. Pardon. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé ce tuto et je vous remercie infiniment encore plus de vous abonner à la chaîne Roue Guitare, comme ça vous ne manquerez aucun de mes petits blues. À très bientôt, bye bye.